Hey, faut que je te parle de ce truc qui me tient à cœur, qui persiste, qui perdure un peu comme ces vieilles rancœurs envers tous ces voleurs. Ces voleurs d'enfants, ces voleurs de sous, ces voleurs de poules, ces voleurs de soi-disant tout. Hey, faut que je te parle de ma tzigani. Ma tzigani, ma zizanie, du matin au soir, de toute ma vie. Ma tzigani, c'est elle qui m'a vu naître une nuit de septembre, après une sacrée sécheresse, à ce qui paraît. Peu importe, il y avait déjà plein de cousins qui étaient là à m'attendre. Arrivé sur la place, je ne pouvais que prétendre à cette vie qui agace, c'est à n'y rien comprendre. C'est ce qu'il faut que je leur dise aux rancuniers, il n'y a rien à expliquer. La vie de bohème, c'est juste une autre façon de vivre, une autre façon de penser, un besoin fou de liberté. Il y en a qui me diront, prends-la ta liberté, prends-la. C'est facile quand t'es nulle part attaché. Moi je leur réponds, c'est pas évident quand partout t'es chassé. J'ai trop souvent vu le panneau aux gens du voyage interdit de stationner. Sans en rajouter, ça m'a fait penser à cet écriteau qui interdit aux chiens l'entrée d'un magasin. Après, faut pas s'étonner qu'on passe notre temps à être auditionné pour des larcins, pas bien malins, à croire qu'on est mal, mais pourtant pas morné, plutôt borné, et décidé à écrire, je t'assure, tant pis pour les ratures. Ma tzigani m'a présenté du monde, faut pas plaisanter. Du gadou aux forces de l'ordre, pas vraiment enchanté, parce que je savais que dans ma vie, il n'y aurait jamais l'ordre qui voulait nous imposer. La gadou, tu connais. Mais le gadou, tu sais pas ce que c'est, alors je te dois bien quelques explications, vite fait, aujourd'hui on trie. Il y a des déchetteries. À l'époque, près des places désignées, il y avait des terrains vagues sur lesquels les ordures venaient s'entasser pour cramer. Ça faisait comme des montagnes, comme des volcans, même parce qu'il y avait toujours cette fumée et cette odeur. Je peux même pas dire que ça sentait mauvais, franchement. Ça faisait partie de l'atmosphère, il n'y a rien à faire. C'est là qu'on traînait. Ma tzigani m'a présenté du monde, faut pas plaisanter. Elle m'a présenté cette femme si noble, j'étais plus qu'enchantée, parce que franchement, je crois bien que sans elle, ce monde-là, je pourrais même pas le supporter. Ma tzigani m'a présenté la poésie, une si pure façon de se poser ici. Alors des textes, je veux en signer l'essentiel, pas finir en gibier. Les chasseurs, maintenant, c'est nous, et la classe, on l'aura, même s'il faut pas l'oublier, dans leur classe, ils nous voulaient pas. Les gitans, ça vaut rien. 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 Et voilà ces mots qui résonnent comme un vilain, vilain refrain. Que mes mots mettent un frein à cette haine qui tonne comme un orage sans fin. Merci. Yeah!